Bonjour les amis, bienvenue sur Merlis Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite recette végétarienne. Donc la recette que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ça va être une recette de choux blanc sauté. Après c'est exactement la même chose pour concernant le chou rouge. Donc je vous explique tout ça étape par étape, alors suivez-moi. Yes les amis, donc concernant les ingrédients. Un chou blanc. Enfin, une partie, un quart d'un chou blanc, donc coupé en quatre et une partie, on prend une partie. Prévoir du sel pour le goût. 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Un oignon en morceaux comme ça, voilà. Une cuillère à café de cumin en poudre. Une petite pincée de curcuma. Une petite cuillère à café de garam masala. Là, c'est vraiment en option. Quelques graines de moutarde, quelques graines de fenouil. Et aussi un petit piment sec. Donc là les amis, je viens de râper donc le chou blanc en fines tranches comme ça. Donc j'ai un appareil, donc pap, il suffit juste de râper comme ça dans ce sens-là. Il faut juste placer un petit couteau, une petite lame et puis ça va vite. Vous voyez des fines tranches. Hop, c'est parti les amis. Donc dans une casserole ou un wok, hein, je fais chauffer les 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Une fois que l'huile est bien chaude, donc je vais venir. C'est vraiment une option, graines de moutarde, fenouil. Si vous n'avez pas de fenouil, c'est pas grave, mettez un peu de cumin. Et aussi le petit piment sec. Voilà, comme ça en morceaux. Et aussi les tranches d'oignons. Donc je fais dorer légèrement les oignons pendant, franchement, une petite minute, voire deux. Allez, dans la foulée, je vais venir mettre les tranches de chou. Voilà, comme ça. J'en profite pour mettre le curcuma et le cumin en poudre et je continue avec le reste, voilà comme ça, et j'en profite dans la foulée pour venir mettre un peu de sel pour le goût, comme ça, voilà comme ça, et je mélange bien l'ensemble. À partir de ce moment les amis, feu moyen. Sur une échelle de 1 à 9, je laisse sur 5 voire 6 pendant 7 à 10 minutes, tout en surveillant bien sûr et en les mélangeant aussi de temps en temps. Attention les amis, la quantité, donc le volume va vachement diminuer à la fin, vous allez voir. Là on a l'impression que c'est rempli et tout, mais vous allez voir à la fin. Voilà, j'ai bien mélangé l'ensemble, là c'est parti. Pour 7 à 10 minutes environ, tout en surveillant, bien sûr. Donc là, les amis, de temps en temps, donc, je vais venir les mélanger tranquillement. Vous voyez, la quantité a légèrement diminué. C'est pas fini encore, ce n'est pas fini. Voilà. Allez, c'est parti, on laisse la cuisson continuer. Donc là les amis, ça fait à peu près 7 minutes, donc je vais venir goûter vite fait, un petit morceau. C'est presque bon, je pense qu'il nous faudra, il nous faut encore 2-3 minutes. Donc 2-3 minutes avant la fin, je vais venir mettre le garam masala. Si vous n'avez pas de garam masala, c'est pas un problème. Mettez un peu de cumin en poudre ou poivrez légèrement. Voilà, je mélange bien l'ensemble et c'est parti pour 3 à 4 minutes. À peu près, tout en surveillant bien sûr les amis. Là moi j'ai mis de l'oignon rouge, hein. Voilà, mais après vous mettez ce que vous voulez, oignon blanc, oignon rouge, enfin ce que vous voulez, plus d'oignons, moins d'oignons, c'est à vous de voir. C'est une recette super facile, super rapide et c'est pas mauvais, franchement moi j'aime bien. Hop les amis, allez c'est parti, je prends un petit bout, c'est bon les amis, on peut couper le feu, c'est parti, place à la présentation et à la dégustation les amis, dégustation. Yes les amis, et oui, voilà le travail. Franchement les amis, c'est un bon plan pour les végétariens ou pour les gens qui veulent surveiller un peu la ligne là. Franchement, une petite assiette de choux, ça remplit bien le ventre.
avec un steak haché, un petit poulet tranquille, une petite omelette. Franchement, voilà quoi, c'est léger, c'est pas gras du tout. Voilà quoi. Donc, voilà. Voilà le travail, les amis. Regardez-moi ça. Place à la dégustation. Ça sent déjà bon, ça sent le chou, hein, avec les épices. C'est bon et c'est léger en plus. Pour les gens qui sont au régime ou quoi, un steak haché, une omelette, même une petite cuisse de poulet rôti, un blanc de poulet. Avec ça vous remplit le ventre. C'est pas gras comme je vous l'ai dit. Et c'est pas mauvais pour la santé. Donc voilà. Un petit pouce bleu vers le haut. Partagez, surtout abonnez-vous à ma chaîne. J'ai la bouche pleine. Donc merci, à bientôt. Ciao, ciao!